nos amis Timon lui-même pour lui capable soulager peine moun sa yo, notamment peine Timon yo. Depuis les attaques yo commencé, nous organiser un ensemble d'activités psychosociales avec yo, soit jouet, danse et puis des entretiens psychologiques. Parallèlement, nous t'arrivons faire plusieurs distributions pour nous accompagner moun yo. Nous profiter pour nous garder dans quel niveau nous capable créer un espace de vivre ensemble et puis dans un espace de retour à la joie. Pendant nous pas camper sur ensemble de plaidoyers que nous avons fait à travers notre pour la presse, dossier de presse et puis conférence. Dans ce sens, nous arrivons à formuler un ensemble de recommandations. Premièrement, face à risque hydrométéologique que Port-au-Prince a confronté, là, nous avons demandé pour tout organisme compétent, yo, notamment protection civile, pour prendre des mesures adéquates pour aider les gens confrontés à problèmes qui liés à ça. Deuxièmement, face à détresse psychologique, yo abandonné tout pour tout acteur de protection civile, yo pour yo mobiliser pour accompagner moun yo psychologiquement, si tout ti moun yo qui c'est d'être très vulnérable, j'en nous même dans fondation zami ti moun nous commencer faire ça depuis plusieurs mois. Nous troisièmement, nous attribution nous comme avant-gardiste protection ti moun, n'a demandé l'état pour prendre responsabilité pour lui garantir sécurité moun yo, pour yo tourner la caillou dans bonne condition et puis protéger ti moun yo. N'a même lancé ça. N'a demandé l'état pour lui mettre des conditions structurelles à travers des mesures efficaces pour ti moun yo aller l'école parce que tout ti moun gen droit à l'éducation sans nous pas plier à titre 32 à côté l'état doit garantir droit à l'éducation. N'a demandé pour quatrièmement, nous avons demandé pour la société civile et organismes internationaux qui sont dans le domaine de protection de l'enfance pour mobiliser pour accompagner les gens qui vivent dans des conditions déplorables qui passent en conséquence sur l'avenir. Donc, d'une manière générale, dans quatre conventions. Dans le cadre anniversaire de la Convention relative à droit de l'homme, après 29 années que Haïti a ratifié la Convention, il est important pour tout le monde qui a droit. Qui donc, nous avons demandé l'État à travers le ministère de l'Éducation pour yon mettre disponible la Convention dans toute l'école, dans tout le département pays. Et les nous constater violation droit de l'homme qui continue, soit à travers Saint-Micol, soit à travers Belader, côté yon voyer si moun ban nous. Non accompagné de parents yo soit à travers situation ti moun yo k'ap viv dans camp déplacé k'ap fè yo n'a mandé l'état pour mettre des mécanismes de protection ti moun parce que ti moun sa yo c'est avenir pays ya. Nan sa sa fondation zami ti moun a remercier la presse et l'a rappelé yo que droit ti moun doit respecter dans toutes circonstances. Ti moun qui sont organisés k'ap défendre et promouvoir droit ti moun sur tout territoire national là depuis l'année 2014 a mené un coquin de travail en dans Saint-Micole. Saint-Micole lui-même qui se sent pour éduquer les mineurs qui ont conflit avec la loi. Côté Fondation Saint-Micole lui-même, il y a des mineurs et assistance psychologique, assistance juridique pour mineurs qui peuvent avoir un avocat dans ce centre. Et ça qui fait une libération, il y a une réinsertion qui est plus facile. Depuis le mois de février 2023, nous commençons à faire le même travail ici. C'est dans ce souci ça, nous avons jugé important pour présenter un document sur tout le travail que nous faisons pendant la période ça dans Saint-Micole. Dans le document, la Fondation Zami Timoun lui-même fait un rappel pour montrer à clé la dimension problème dans le système de justice. Ça qui la cause, mine en conflit avec la loi, pas épanoui. On a profité tout pendant la présentation, ça, vont aucun coup de chapeau à la police qui est dans le centre de Saint-Micole qui a fait un gros travail pour assurer la sécurité de Timoun qui est dans le centre. Il faut que nous disions que Saint-Micole a confronté dans le domaine infrastructure, a confronté à un ensemble de problèmes et difficultés. Surtout avec la population carcérale là côté petit garçon actif yo plus mesdames yo logé dans même centre là et phénomène ça a vienne fait à cause des problèmes qui t'ai gagné dans prison civile mesdames yo qui cabaré depuis l'invasion pour fin novembre 2022 là. Ajouté sur ça il y a une prévention préventive prolongée qui pas jamais suspend tamé en dans Saint-Micole et si moun yo même et tandis que pas si moun continuer à rentrer dans centre là pendant que si moun pas jamais sorti. Donc là qu'on y a pour question santé lui-même en dans cette Saint-Micole Timoun y a confronté à un ensemble de problèmes. Donc on a constaté Fondation Zami Timoun lui-même était fait l'été dans ce centre là, nous remarqué grand pile Timoun qui gagne difficulté sous pour eux. Sans doute c'est à cause de bleu à bear. Et jusqu'à présent Timoun ça a pas jamais gagne médecin qui a le joindre dans ce centre là pour diagnostiquer phénomène ça. Et en dans dispenser ce centre là, il pas adéquat pour problème Timoun y a confronté. Nous remarqué tout gagne absence activité pour Timoun yo. Et l'on parle de rééducation de tout le monde, donc bon centre d'activité et loisirs pour tout le monde, ça lui-même les joindre. Ça qui a l'encontre cadre légal qui est établi,
Donc là qu'on y a, c'est tout ensemble constat ça. On a son ami Timon lui-même était fait dans quatre travail, il a tamé dans cette école depuis janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui. Donc dans quatre tout constat ça, on a son ami Timon te proposé, te font ensemble recommandation dans document ça, que passe la presse lui-même a bien pour joindre document ça. Et tout public là a bien rejoint le document ça, il y a pas joindre sur site Fondation Zanmi Timoun là, il y a pas joindre tout sur l'autre plateforme que Fondation Zanmi Timoun lui-même les gagne. Donc dans le document ci là, nous recommandons à l'État pour mettre une série de dispositifs qui pas lié à cadre légal qui établit que l'État lui-même les signe qui gère rapport avec question Timoun. Donc dans recommandation ça, nous demandons à l'État pour mettre ensemble mesures pour améliorer justice pour mineurs côté qu'a gagne pour meilleure prise en charge. Nous demandons tout pour l'État mettre une structure ou bien pour mettre un ensemble de médecins qui ca rester en permanence pour Timounio dans centre là et mettre médicaments pour Timounio tout dans centre là. Nous recommandons à l'État tout pour mettre un programme largement large pour Timoun qui joue une libération pour une réinsertion qui fait ni à la fois au niveau scolaire pour Timoun ni au niveau familial pour Timoun ça ca réintégrer plus facile. Donc c'est dans l'optique ça nous te fait présenter document ça lui-même qui gagne tout un ensemble. Que me pense jambe dit la presse tout public là a bien chance jouir des documents ça et me pense recommandation nous assez intéressant et me pense l'état prend en charge. Merci.